Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu The Evil Genius 2 qui est sorti aujourd'hui tout simplement. Et du coup, on est parti sans perdre plus de temps. Il n'y a pas de campagne du coup. Je voulais faire un tuto, un truc comme ça, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de. Hein, tout ça. Donc, alors il y a soit partie rapide, commencer directement en mode difficulté moyenne, un mode personnalisé. Et un sandbox, dominer à votre rythme et construisez la base de vos rêves, tout simplement. Oups, alors attendez, je vais juste baisser le son pour vous. Voilà. Et du coup, bah, on est parti en personnalisé, tout simplement. Alors du coup, on a trois méchants. On a Maximilian, Ivan, Zalika et Emma. Donc moi je vais prendre lui, voilà. Et on peut voir, alors on peut voir qu'il a des aptitudes. Ordonner aux sbires de donner la priorité aux tâches à proximité d'Ivan le Rouge. De plus, les sbires proches reçoivent un bonus de combat. Ivan s'équipe d'un lance-roquette et tire un projectile hautement explosif. Attention, on peut semer le chaos. Guerrier né, Ivan est capable de rassembler un grand nombre de sbires de la force. Ok, ça c'est cool. Biographie, bon là il y a menace élevée. Oula. Ok, très bien. Et du coup, on fait suivant. Alors du coup, on a trois îles de départ, à ce que j'ai compris. Il y a une île facile, une île un peu moyenne, tu vois, ça va. Et une île très difficile. Enfin, assez difficile quand même, quoi. C'est voilà. Il n'y a pas beaucoup d'îles, je suis un peu déçu par contre. Il n'y en a que trois, bon. J'espère qu'ils vont en rajouter, mais bon. Et du coup, bah, on est parti sans perdre plus de temps pour commencer dans la première île tout simplement parce que voilà, j'ai pas joué, je me suis pas spoil, je me suis juste renseigné et puis voilà, du coup on est parti. Oui d'accord. C'est parfait. Didacticiel activé, ah ça c'est bien. C'est quoi ça? Ah d'accord, on choisit la difficulté là. Ah d'accord. Bon on va jouer en facile, autant pour moi, d'accord, facile. Voilà, facile. D'accord, bah ça c'est cool. Donc facile, et on voit avec le didacticiel. Alors le jeu est en français, mais il n'y a pas les dialogues, il n'y a pas les voix. Use the camera controls to move the camera around your lair. Now use the rotate controls to rotate the camera. Use the tilt controls to tilt your camera. Well done. Who do you think you are, giving me instructions like that? I'm here to help. By telling you exactly what to do next, in a friendly and helpful manner. But you're here to do everything I say. Correct. Step one. Tell us what you want, and the minions will... We're eager to... and also eager to live. Please stop looking at me like that. New main objective available. Your lair will be much more impressive once it has more... rooms. Open the build menu. You need a place to store your gold. Select the vault icon. Paint tiles over the highlighted area. This will be where we'll build your vault. Gold pallets will increase the amount of gold you can keep in your lair.
It's best not to leave your gold sitting in the open. Add a door to your vault. Once you are done, select confirm to give the order to your minions. Wait for your minions to install the door before moving on. Ordered furniture must first be collected from the depot under ah, the... putain, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure, excusez-moi. Oui, du coup, là, je suis le tuto. Excusez vraiment moi pour l'erreur, comme un noob. Oh, j'avais mon micro de muté, donc je m'excuse, tout simplement. Du coup, là, oui, depuis tout à l'heure, je fais le tuto, hein, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Donc là, on est parti pour continuer. Hein. Depuis tout à l'heure, je parlais dans le vide, quel boulet. Ouais, ça va, je me rends compte que maintenant. Et puis voilà. Du coup là on a mis les trucs dans l'élément, ok, alors j'apprends en même temps que vous... j'apprends en même temps que le tuto, hein. J'ai pas joué au jeu avant, c'était juste pour vous le dire. Attendez que vos sbires, très bien, on peut augmenter la vitesse mais j'aime bien aller voir faire, du coup attendez, on va se mettre sur l'autre côté comme ça. Hop, allez, très bien. Du coup j'ai un peu baissé la musique pour qu'on m'entende un peu mieux. C'est très très beau, hein. Très très joli jeu. Hop. Nickel. Donc là ils vont placer la porte. Voilà, c'est parfait. Maintenant que votre fort est en sécurité, ajoutons une autre salle à votre base. Très bien. Minions need to rest after a day of evil deeds. Let's build a barracks. Hop, hop, ok, pour l'instant c'est très simple, on va construire une barracks. Give minions places to sleep. Le lit permet à vos sbires de se reposer quand leur vitalité ou leur morale s'épuise. Alors je vais encore baisser le son 2 secondes, parce que pour moi ça gueule un petit peu. Comment on fait déjà pour tourner, j'ai oublié. Ok, c'est... voilà. Voilà, c'est ça, allez, voilà. Voilà. Items can be rotated freely with the rotate controls. Ah, ok, c'est R ou la souris. Items that okay, need to okay. be placed next to a wall will automatically rotate. Place some beds on the other side of the barracks. Once okay. you are done, select confirm to give the Parfait. Order to your minion. Le menu. Alors attendez, on va juste baisser un peu le son. Le principal, on va le mettre à 55, voilà. Open the systems menu. Ok, ouvrez le menu des systèmes. Très bien. Objectives will help pave the way to world domination. Ok, donc ça c'est la table de nos objectifs, ok. Les objectifs optionnels offrent des petits défis fréquents. Validez celui-ci pour obtenir une récompense. Très bien, donc là on a de l'or. Très bien, on doit faire un... donc, la nourriture est essentielle au bien-être de vos sbires. Si vous les affamez, ils seront moins en bonne santé et surtout beaucoup moins intelligents. Ça roule. Ah, c'est très cool. You can also move them after they've been constructed. Voilà. Le comptoir de restauration simple peuvent rassasier vos sbires et restaurer ainsi leur intelligence ainsi que leur vitalité. Très bien. Ok, je note. Alors excusez-moi vraiment pour le début où on n'entendait pas ma voix, c'était pas voulu. Et puis voilà. Après ça arrive, hein, je suis un boulet. Hop, parfait. Donc là, il y a mon héros, il y a mon méchant là, ça c'est cool. On my way. Ivan le Rouge. Et là, du coup, bah ouais, il y a le fameux hélico qui poste des ressources là que nos sbires vont chercher là-dedans. Et ensuite qui reviennent ici pour construire, ça c'est cool. C'est très très cool. Alors pour l'instant, c'est le tuto, donc c'est normal, on se fait guider quoi. Les comptoirs de restauration simples peuvent rassasier. Bah ça, j'ai compris ça. Donc là pour l'instant, on doit attendre qu'ils fassent tout. Il n'y a pas une vue de l'île encore, non? Ok. Retourner à la base. Waouh. Il est beau le jeu. Waouh. Il est magnifique. Il est super super beau. Je trouve qu'il est très très beau. Je le trouve sublime quoi. Oh là là. Comment on retourne à la base? Stop le mec. Ah ok. Ah, c'est bon. Ah oui. Du coup là c'est notre base secrète ici.
Et en fait, là, ici, on peut vendre. C'est le côté où t'as les passagers, enfin, la clientèle qui vont venir de là. Pour visiter et tout, d'accord. Et là, t'as notre base secrète, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors du coup, on va accélérer un petit peu. Hein. Ils vont se bouger le cul. Allez, 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 bougez-vous le cul. Allez, allez, faites votre travail. Voilà. Parfait. Allez, plus. Il semble que nous manquons d'énergie. Réglons ce problème avant d'aller plus loin. Faites-le. Faites de la place pour D'accord, ok. As it will be a tempting target for enemy agents. Ok, il s'agit d'une cible de choix pour nos ennemis. Bah écoute, je vais le mettre près de l'entrée. On va le faire plutôt grand comme ça, voilà. Generators power items in the lair. Éléments. Without it, almost nothing will function. Be careful, as enemy agents will attempt to sabotage your generators if they find them. Ouais, non, 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 attendez. Non, je ne veux pas de ça. Réinitialiser, alors attendez. Hop. Oh alors, attendez, attendez, on m'appelle. Hop, excusez-moi. Attends, hop. Du coup, ouais, excusez-moi, on m'a appelé. C'est vraiment une cata. Alors du coup, là, on va faire une grande salle. Plutôt assez grande parce que les générateurs ça prend de la place. Du coup, si possible, on peut. Voilà, hein, on va pas se mentir. Voilà, alors c'est très moche là, mais on peut vraiment tout personnaliser. Allez. Hop, du coup, éléments. Alors, du coup, là, on va se mettre ça là. Non, stop, arrête, arrête, arrête. Hop, on va en mettre 3. Alors, ça coûte très cher. C'est bon. Non, non, j'ai pas peur, monsieur le sbire. Allez, faites votre travail, vous. Alors, c'est un jeu très cool. Alors, je suis désolé pour vraiment le boulet que je suis en vidéo. Vraiment, j'ai tout gâché, là. Hop. Ouah, excusez-moi. Ouah, c'est... Oh là, ça bug. C'est bon. Tout va bien. Alors là, ok, du coup, nos sbires vont construire la salle en question. Ça, c'est très très bien. C'est très cool comme jeu. Ouais, c'est bien, c'est mignon, j'aime bien. Alors c'est dommage qu'il n'y ait que 3 îles. Enfin, bon, c'est un peu con quoi. Enfin, je pensais à plus de maps quoi. Donc là on va mettre les générateurs, dépêchez-vous. Allez, mettez vos générateurs. Allez, 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 on se dépêche, on se bouge le cucu. Alors j'ai mis en accéléré, c'est vraiment très très lent. Hein. C'est quoi ici? Ah, d'accord. Allez les potes, allez on y va, allez allez allez. Du coup ça va être une vidéo de 20, 25, 30 minutes. Les agents... Ah, attendez. Les agents vaincus gisant au sol dans les sacs mortuaires, vos sbires perdent du moral quand ils s'en approchent. Construisez un incinérateur dans votre centrale pour vous débarrasser de ces corps. Oui, bah, tout ce qui est méchant quoi. Ça me dérange pas Patrick. Ouais, alors où je peux mettre ça? Ah merde, j'ai pas mis contre le mur. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ah, non. Déplacer, on va le mettre. Oui, on va le mettre là au pire. Voilà, confirmé. Ouvrez la fenêtre de sélection du personnage. With the evil genius selected, interact anywhere dans la zone indiquée pour le déplacer. Ok. Ça va. Pour l'instant, c'est classique de ouf. Vous avez besoin d'une salle de contrôle pour pouvoir déployer des sbires à travers le monde. Planifiez cette salle. Ok, très bien. Donc pour l'instant, on apprend les salles. Ouais, oups, pardon, excusez-moi. C'est ça? Ok, c'est ça. Je vais essayer de faire une salle... Radio repeaters provide broadcast strength, allowing us to maintain criminal networks across the globe. Voilà. The more broadcast strength you generate with your radio repeaters, the more of the world you can infiltrate. For now, let's just infiltrate a little bit.
Ouais, attendez, je réfléchis à un truc. Est-ce qu'on peut déjà mettre ça là-dedans? Très bien, il faut encore un truc plus gros. Non mais très bien. Voilà. C'est bon là? Attendez, hop, hop. Parce que j'ai envie de mettre une porte, mais ça veut pas. Ça veut pas trop en vrai. Qu'est-ce qui va pas? Et là, c'est bon là? Est-ce que je peux mettre une porte ou c'est trop grand? Mais attends, mais c'est fou ça. Voilà. Et là, si je mets une porte, c'est bon. Non, c'est pas bon. Attends, mais wesh. Et là, et non mais là c'est bon là. Ah voilà. Voilà. Nickel. Là, on met ça du coup là-dedans. Parfait. On est bien et on peut confirmer. Allez, c'est parti. Faites votre taf. Allez, allez, on travaille, on travaille, on travaille. Alors, plus vous générez de puissance d'émission avec vos relais radio, plus vos capacités d'infiltration augmentent. Mais restons raisonnables pour l'instant. D'accord. Il est très beau comme jeu, j'adore. Il est vraiment sublime. J'adore les jeux où on contrôle les méchants. Parce que bon, les gentils, oh, ils m'ennuient. Très bien, bon, on va attendre. Ouais, pétez pas le mur non plus, les mecs. Hein. Voilà, donc là, hop, ils ouvrent la porte. J'ai mis une porte. Putain, j'ai pas mis de porte ici dans la cuisine, j'ai pas fait gaffe. Oh, attendez, est-ce que je peux mettre une porte? Nickel. Et là, je peux mettre une porte? Non, je fais trop grand. Ok. Pas, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La porte n'est pas essentielle, mais voilà, c'est perturbe quoi. Tout confirmé. Voilà. Allez, mettez une porte ici. Voilà. Là, ils mangent, ils discutent, ils stoppent là, là, voilà. Le monde est vaste autour de votre île. À vous d'y faire renier la terreur. Très bien. Donc là, on a la carte du monde. Chacun de ces régions indiquées constitue un excellent point de départ pour votre enquête de domination mondiale. Sélectionnez une de ces régions. On se prend l'Allemagne. Oui. Opérage. Voilà. Donc. Once built, you can use our criminal network to run schemes in this region. Dès que ce soit en prêt, nous pouvons utiliser nos réseaux premium pour exécuter des machinations dans cette région. Ok, donc là, il y a un Osbir qui part vers l'hélicoptère. Ouais, ils se font scanner et tout. Pa-pa-pa. En même temps, on est un génie du mal, faut forcément que ça soit contrôlé. Du coup, ouais, là, on a la carte du monde. Bon, moi, je vais commencer hein, en Europe. Enfin, là, dans ces eaux-là. Et puis voilà. Donc là, ils y vont. Ils y vont, ils y vont. Non, mais ça peut être fun, j'aime bien. Ah, ok. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Très bien. Menu des systèmes. Oh. Je suis prêt, chef. Envoyez-moi n'importe où ou je reviendrai avec des tonnes d'or. Sérieusement? Vous pensez vraiment revenir? Hors de question, vous ne ferez qu'attirer inutilement l'attention sur cette île. Imaginez que leurs agents vous suivent jusqu'ici. Gardez un peu d'or et envoyez-moi le reste. Utilisez votre part pour mener une vie tranquille. Sinon. Ok. Voilà. Ok, du coup, les sbires qui partent de notre base pour attaquer une région, ils ne reviennent pas, c'est noté. Oui, du coup, faut peut-être que je revienne. Une prison, très bien. Construisons une prison, alors. C'est parti. Une prison, si possible, un peu cachée, hein. Comment on fait un couloir, par contre? Terre, couloir. Ok, c'est comme ça. Voilà, ensuite on sert une autre prison là, une belle petite prison. Attends, juste question, est-ce que je peux mettre? Voilà, élément. Comment qu'on fait? R? Non, ouais, comme ça? Ok, comme ça. Alors ça coûte très cher, mais vu que c'est le tuto, ça va. Experiment with interrogating agents. You never know what secrets you will uncover.
À chaque fois, je m'y ferai jamais pour ces portes. J'aime bien mettre les portes dans les jeux, ça me, sinon ça me stresse. 24 000, ah ouais, ça coûte vraiment cher. Imaginez quand on va vraiment jouer le jeu normal. Waouh, ça va être chaud, ça, merde. Ok, donc là, nos... Hein ? Wesh, wesh ! Wesh, pourquoi vous cassez les... Eh, mais... Ah non, non, non. Ah, attendez, non, 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 mais alors pas du tout, mais alors pas du tout. De la terre, voilà. Remettez-moi ça. Parfait. Putain, les cons, ils ont cassé les... C'est pas ce que je voulais. Ouais, faites-moi un couloir. Et la map, elle est pas mal parce qu'elle est très grande. Essayez-vous d'interroger... essayez d'interroger des agents qui se... Qui sait... des agents. Qui sait quel secret pourriez-vous découvrir. Très bien. Très très bien. Ouais, je suis concentré là. Alors, attends. Hop. Très bien. Pour l'instant, ça va. Il est addictif, le jeu. Exécuter la machination. Vas-y. Alors, du coup, ouais. Plus on fait ça, plus ça augmente le niveau de tension. Du coup, il faut faire attention quand même. Après, c'est le tuto, donc ça va. On est quand même guidé de ouf. Mais quand je vais créer ma prise, mon truc de méchant, là. Alors, du coup, si je comprends bien... En fait, on a des des plans annexes, je crois que ça nous déverrouille des nouveaux trucs, tu vois, pour nos agents, de nouvelles salles ou de nouveaux items pour la cuisine, etc. Select a scientist scheme. Special schemes are often highlighted on the world stage with colored signs. Keep your eyes open for these important schemes. Ah, attends pour moi. Je me suis trompé. Ça, voilà, allez-y les potes. Ça roule. Donc, l'impression il n'y a pas de civil, mais je sais pas comment on fait, mais ça, on verra. Donc, 22 minutes. Ok. Alors, eux, ils mangent, ils passent la porte, c'est très bien. Alors, ça, j'en suis où, du coup? Allez, allez, on se dépêche, on se bouge le cul. C'est 30 secondes dans la vraie vie, genre, ou dans le jeu? Apparemment, c'est dans la vraie vie. Génial. On dirait les jeux mobiles, vous savez. Vous voyez, attendre 30 minutes avant de faire un truc, genre... des trucs très longs. Ah, je suis prêt à découvrir les mystères de l'univers pour vous, chef. Sur quoi voulez-vous que j'axe mes recherches? Intéressant ce mot, recherche. Comme si vous recherchiez la même chose pour la deuxième fois. Vous n'avez pas intérêt à me le facturer deux fois sans quoi. Ah oui, il est méchant. Your new scientist appears to believe that we can use a training room to teach our slack-jawed minions how to do specialist jobs. Get one built and you can find out for sure. Très bien. Très bien, très bien. Bah, on peut la faire là. Hein. On peut la faire là, éventuellement, alors bien évidemment... Je vais remettre des murs... Attendez, on finit. Voilà, donc là on va faire un truc vraiment carré tout simple, parce que bon, ça sert à rien d'avoir trop de trucs non plus. Très bien, et du coup là, on va faire... Comment on peut faire ça? Un truc qui range logiquement un truc propre, parce que comme ça, ça fait con, je trouve. Comme ça, on peut le mettre, ou plutôt, sur le côté, comme ça. Avec ce dispositif, vous pourrez convertir vos sbires en scientifiques. Et plus vous aurez de scientifiques, plus vos recherches seront rapides. Ah, ça c'est cool, ça par contre. Alors ça c'est cool. Oh, j'ai un trou la vache. Ça serait marrant un peu comme dans Dungeon Keeper, un mode pour contrôler une unité pour visiter, mais bon. Apparemment, il n'y a pas. T'as faim, oui, bah va manger, Patrick. Va manger. Mais du coup, on n'a pas vu la salle de torture. J'ai envie, moi, de voir les animations comme ça. Parce que bon, quand ils mangent et tout, c'est pas. Voilà. Ok, donc eux, ils travaillent pour l'instant. Très très bien. Oui, je sais, avec ce dispositif. Nanana. Ok, allez, par contre, mettez ça là-dedans. Alors, je ferai peut-être plusieurs vidéos. Donc là, je fais une vidéo sur le tuto et ensuite je ferai une vidéo où je développerai moi-même mon truc. Alors pas forcément un let's play parce que je vais pas faire long feu. Correct training furniture built in your training room, you can request that your minions train to become specialists.
Ooh. Head to the minion training screen to request training of some new scientists. You should request 2 scientists to be trained. Thankfully, we already have a scientist. Très bien. So training another should be a breeze. If for some reason one of your Ah, très bien. OK, OK. Disappears, another minion will instantly train until they have this many in your lair again. OK, d'accord. OK, OK, je comprends. Oui, oui, oui. Arrête de parler, putain. They'll learn faster if another minion is able to teach them. Oui, voilà, en fait, si je... Oui, voilà, en fait, si je comprends bien, oui, voilà. OK. Les sbires deviennent des scientifiques. Très, très bien. Du coup, on va faire un laboratory qu'on va se... D'accord, du coup, si je comprends bien, c'est ça. Très, très bien. Bah, on va faire un gros... Hein, voilà. On a des sous, donc on va faire un truc propre. Quoi. Alors, non, attendez. We'll need to provide them with more advanced equipment. Putain. Voilà. Et tu vas juste casser un peu là, voilà. Parfait, donc là, élément, on va mettre une porte. Oh non, je sens que c'est trop grand, alors attendez. C'est beaucoup trop grand, on va peut-être en faire. Là, voilà, élément. Attends, déjà une porte. Ah d'accord, non, c'était pas du tout trop grand. Ok, si c'était trop grand, mais de un seul. Ah putain, les portes, j'y arriverai jamais. Hein. Hop, mais non, mais allez. Voilà, parfait. Donc là, on va se mettre ça, du coup. Ça se met dans quel sens, ça? Très bien, on se met ça là, parfait. Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Oula, c'est grand. Alors, attendez. Heureusement qu'on ait des sous, hein, parce que je peux te dire que sinon... Sinon, ça serait horrible. Tac. Et on peut se mettre éventuellement... Not enough tac, voilà. Gold to complete this construction. Ah, j'ai pas assez de gold. Ouais, mais normalement, c'est le tuto, donc c'est prévu pour... Allez, go. Voilà. Oh, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez construire? Ok, c'est bon. Donc là, ils vont construire. Donc là, t'as faim, t'as envie de dormir. Mais faites votre vie, hein, écoutez. Faites votre vie. Et du coup, là, il y a la partie ouais, casino qu'on peut faire, voilà. On peut attirer des visiteurs pour moins de suspense. Enfin, de... Pour moins de... Comment dire? Pour être plus discret, quoi. Allez, mais génie du mal, là. Et toi, t'es où? Ça va? Tu t'amuses? Tu fais ta vie, toi? Oui, d'accord. Très bien. Regagne des stats. D'accord. Plus d'énergie. Ah! Stop, on a plus d'énergie, du coup on va mettre... alors attends, du coup, pas de panique les potes. Pas de panique. Ah merde, ça rentre pas. Voilà. Voilà. Heureusement qu'on a de l'argent hein, grâce au tuto, hein, parce que sinon, clairement, je pense qu'on va galérer, clairement quand on va commencer. Pour conduire les recherches. Oui, bah je sais, mais attendez, il n'y a plus rien là. Je les ai bien mis contre le. Ouais. Les potes, vite faites votre taf. Mettez de l'énergie, il va faire tout noir. Alerte, plus d'énergie. Bah je sais. Ouvrez. Open the research screen and take a look at all the diabolical opportunities. Oui, ok. Ouais, c'est quoi ça? Choisissez un projet de recherche, mettez vos scientifiques au travail. Je vous suggère de commencer par accroître la capacité d'accueil de votre base, mais je m'en remets bien sûr à votre cruelle sagesse. Ouh, dis donc. Bah écoute, j'ai pas vraiment le choix, Bob Lennon. Enfin, Monsieur Bob, je vais t'appeler. J'ai pas assez de thunes. Optional objective complete. J'ai pas de thunes. Ça y est, c'est fini. J'ai plus de thunes. Le tuto. J'ai plus de thunes. Je n'ai plus de thunes. Bah, veuillez attendre que ça remonte, s'il vous plaît. Eh oui, j'ai plus de thunes. Or, insuffisant. Eh bien, tu vends. Bah, tant pis, alors. Enfin, je veux dire, dégage ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Attendez. Hein ? Vends ça. Annulé. Voilà. Tout confirmé. Allez, vas-y. Oui, mais j'ai plus de thunes pour lancer un projet, monsieur le méchant. Attendez. J'ai pas un truc pour me faire des sous-sous, là? Ah si, j'ai ça. Combien de temps? 6 ouvriers, 3 minutes. Ah, mais 10 000. 20 minutes. Oh là, hé, on se calme. On se... Oh non, annulé.
Ah bon bah attends. Ouais, c'est pas grave, oui. Ouais, non, ouais, confirmé, ouais. Voilà. 6 ouvriers, 3 minutes. Allez, 15 000, c'est pas grave. Allez, 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 on accélère les poteaux, on accélère, on accélère. Parce que là, on a clairement plus de thunes. On a plus de thunes, clairement. Je suis désolé, mais on a plus de thunes. Je peux pas faire une recherche. Je peux pas. Je n'ai plus de thunes, 9 000. Mais c'est cher votre truc, j'ai plus de thunes. J'ai réussi à ne plus avoir de thunes, quoi. Au secours. Je n'ai plus de thunes. Je n'ai plus de thunes. 30 minutes déjà, bah dis donc. Bah je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Parce que si j'ai plus de thunes, je fais comment, moi, Patrick? Ah ouais, je suis qu'à 7 pour... Ah oui, d'accord. Temps restant. Ah bah ça va. Alors attends, on va attendre. On va attendre, on va attendre. On va attendre, on va attendre, on va attendre. Non, non, c'est dans... Ah non, du coup, ouais, c'est 20 minutes dans le jeu, pas en vrai. Parce que putain, ça serait long, putain, 20 minutes, t'imagines-toi. Allez, allez, bah on se dépêche. Oui, bah choisissez un projet. Ah, c'est bon, j'ai assez. Ok. Donc là, on va choisir le projet de sbire, du coup. On va faire ça. Research has begun. On a plus de zoom, c'est pas grave. Research takes time, and our scientists will let us Les recherches know demandent du complete. temps. Vos scientifiques vous préviendront quand ils ont terminé. Retournez à la base pour poursuivre. C'est bon. Ah, j'ai activé un bonus. Move to a busy area of your lair, such as your control room, and trigger the ability. Notice how your minions come running to help? This can be very useful when you want to give the productivity in your lair a bit of a boost. If your genius isn't in a busy room, try moving to somewhere there are jobs to be done, and try again. Je sais pas ce que ça fait, mais ça le fait. Motivez vos sbires. Ah bah allez, on les motive. On est un méchant. Ouh, les méchants. Les méchants. Les plans annexes sont des objectifs permettant de débloquer de puissantes nouveautés pour votre empire. Très bien. Il nous faut un peu plus de muscles par ici. Vous, là, quel poids êtes-vous capable de soulever? Dans les 70 kilos, quand je suis en forme. 80 si je peux utiliser mes deux bras. Bien, et combien de blessures par balle pouvez-vous encaisser avant de jeter l'éponge? Une? Peut-être deux? Exactement, débarrassez-moi le plancher, trouvez-moi quelqu'un de vraiment fort et découvrez son secret. De nombreux objectifs exigent que vous déployiez différents types de sbires pour exécuter des machinations spéciales. Accédons maintenant à la carte du monde. Très bien. Une des machinations indiquées se trouve à proximité d'un de vos réseaux criminels. Vous pouvez envoyer des sbires exécuter cette machination tout de suite ou parcourir le monde à la recherche de... Ok, non. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Oups, excusez-moi. Alors là, du coup, on accélère, on va attendre. Alors, si c'est possible d'aller dans cette pièce, et voilà. Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose. Vous êtes bien en capturant un spécialiste, vous pourrez l'interroger dès qu'il sera mis en cellule. Ah, ça c'est parfait, ça par contre. Ah, du coup, il va aller dans sa cellule, là-dedans. Bah, emmenez-le-moi, s'il vous plaît, faites un truc. Ah, oh, attendez, ah, arrêtez, voilà. Putain, il est costaud, hein. Du coup, là, on va accélérer. Alors, c'est limite une insulte pour un garde de se faire attraper par un simple sbire. Ok, ah merde, j'ai mis en pause, c'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Allez, vas-y, montre-moi. Et bam! Sélectionnez la cellule de détention, escortez le prisonnier. Très bien. Attends quoi? Et ensuite sélectionner un dispositif d'interrogatoire. Ah! Autant pour moi.
Mais... Allô? Bah c'est ça. Attends, quoi, je comprends pas. Sur la chaise, bah oui. Ah d'accord, mais du coup là c'est le cas là, c'est bon. J'arrive. Ah ok, il va le faire, autant pour moi, ok d'accord, c'est clic droit. Ça va? Pas trop fatigué? C'est bon. Oh oui. Oh vas-y, fais voir. T'en peux pas plus zoomer, ça m'énerve. Alors qu'est-ce qu'elle va faire pour le torturer? Alors vu que c'est un jeu très, très humoristique... Ah oui, ah d'accord, oui. Oui, oui, donc oui, oui, ouais. Oui, ça marche, oui, effectivement. Oui, ça peut torturer quelqu'un, effectivement. Ça peut marcher. Permet un plus grand nombre de sbires de stocker leur équipement au dépôt, ce qui augmente la capacité de la base. Bah, très bien. Bon, on va faire de nouvelles recherches, on a 20 000 bases. C'est quoi ça? With all these new recruits, you should expand your training room to make space for all those exotic training machines. Ah bah pour l'instant non, c'est le tuto, j'ai pas envie de dépenser toute ma thune. Il faut faire quoi là? Vos recrues sont de plus en plus nombreuses, vous devrez agrandir votre salle de formation. Eh bah écoute, très bien, soyons fous. Eh bah écoute. New main objective available. Guards are important to the security of your lair, but can disappear quicker than a dry martini. Les gardes sont très importants pour la sécurité de votre base, mais ils peuvent disparaître plus vite qu'un martini un soir d'été. Construisez deux. Oh là, il a réussi à me faire rire. Bravo, Patrick. Après construction, vous pourrez utiliser l'écran de formation des sbires pour donner à vos sbires de commencer à s'entraîner afin de devenir des gardes dignes de ce nom. Pratique. Effectivement, c'est pratique. Allez, les mecs, on construit. Bon, toi, tu sers à quoi, toi, là-dedans, là? Allez, bah, tiens, va là. Voilà. Attends, on va le mettre là-dedans, peut-être. Par contre, j'ai peur de pas avoir assez d'énergie là-dedans, mais je pense que ça devrait le faire. Je pense que normalement, on a assez d'énergie. J'en ai mis deux exprès. Pour anticiper les futures salles. Peut-être qu'on peut en mettre un troisième, mais ça sera limite, là. Ce sera limite. Et du coup, il est où le mec torturé? Ah, d'accord, il cache le corps, hein! Oula, où il galère? Qu'est-ce qu'il fait? Wesh, ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Pas trop? Tu galères pas trop? Ça va, hein, vraiment? Si t'as besoin d'aide, dis-le. T'es un peu en difficulté là. Bon, je te laisse à ton occupation. Plus des... Eh ben voilà, je m'en doutais. Oui, attendez. Tout doux. Je m'en doutais tellement. Mais alors, tellement. Ah oui, mais du coup, non, ça marche pas. Ah merde. Attendez. Non, alors tu vas faire annuler. Annuler, voilà. Et là, tu vas construire du coup. Tu vas peut-être un peu agrandir. Pas trop non plus, faut pas que ça soit collé. Voilà, je pense que c'est bien. Tout confirmé. Voilà. On a plus... Ah oui, mais on a plus de thunes. On a plus de thunes. Attendez. Il nous faut de l'argent. Et pour l'argent... Ah d'accord, car l'énergie est faible. Ah bah, j'ai barré. Allez, pop. On a plus de thunes, mais c'est normal. Pas de panique. 2 minutes, 2 secondes. 40 minutes la vidéo, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Hein. C'était une vidéo très très cool. Hein. Je pense qu'après je me démerderai. Quand je veux pas continuer le tuto, j'aime bien explorer ensuite par moi-même. C'était vraiment juste pour les bases. Je vais d'abord construire cette base. Là. Vite. Ça, attendez. Toi, va là-dedans, les motiver. Allez, on se bouge le cucu. Stop. Du coup, maintenant, on a que 8000, donc on va se calmer. C'est combien un générateur? Moins 3000. Hein? Ah! D'accord. Ça va. Vas-y, en construis un autre. Allez, bougez-vous, les fesses, s'il vous plaît. Du coup, là, on va choisir. Ok, il nous en faut deux. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, 4 gardes, ok. Your minions will quickly train and create new guards to take their place at your side.
Ah oui, vas-y. Look at them go. I could do that, but I don't want to. Guards are just one of the muscle type minions you will be able to find as you expand your empire. Vas-y, tabasse-le. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok, bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, et nous on se retrouve très bientôt pour la suite du coup, où on va découvrir vraiment le genre lui-même, sans tuto cette fois-ci, du coup ce sera la deuxième partie tout simplement. Du coup bah j'espère néanmoins que cette vidéo va vous plaire, 40 minutes et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je suis désolé des petites erreurs du début où par exemple mon micro était coupé, je m'excuse. En tout cas, En tout cas, je vous dis du coup dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, on se retrouve peut-être soit aujourd'hui ou soit demain pour la suite. Allez, bye bye tout le monde et portez-vous bien.